vous attendre, voici un nouveau rendez-vous de questions pour un champion, présenté par Julien Lemers. Ouais. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Questions pour un champion. Aujourd'hui, nous accueillons Monique de Toulouse, Mireille de Pau, Jean-Paul de Marseille et Marc de Lyon. Nous attaquons tout de suite par la première question. La première question, je suis con. Julien Lepierre. Eh oui, c'est une bonne réponse. Mais non, c'était juste pour mettre en jambe. Alors maintenant, véritable première question. Top, c'est parti, je suis... Julien Lepers. Non, il faut attendre que je pose la question. Je recommence. Top, je suis un animal qui vit au Mozambique, surnommé mille pattes. J'évolue en tripolopipède et ailé à quadripade. Je suis... Mille pattes du Mozambique. Eh oui, c'est une bonne réponse. Maintenant, la question qui se pose à nos auditeurs, c'est qu'est-ce qu'un tripolopipède ailé à quadripade? Oui, en effet, Julien, un tripolopipède ailé à quadripade est en réalité... Robin, viens voir! Ça va pas te crier comme ça? J'ai reçu un message d'Alfred depuis la Batcave. Écoute, Robin. Monsieur, j'ai peur, au secours, le Joker s'est évadé, au secours, monsieur, allez m'aider, monsieur, au secours, Bon, Robin, je pense que tu as compris, on doit y aller. Où est ton magnétoscope? Ton magnétoscope? Il y a plus un magnétoscope, regarde, c'est une super DVD chez Nifi qui vit les DivX. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, on peut pas aller à Gotham City avec un super chaîne Nifi des DivX. Dis-moi ce que t'as foutu de ton magnétoscope. Je l'ai mis dans le placard. Dans le placard. Très bien, alors allons dans le placard. Et pourquoi tu l'es dans le placard? Parce qu'il fallait qu'on aille à Gotham City, Robin. Gotham City est dans le placard. Non, Gotham City est dans le magnétoscope. Bon. Bon, allez, tu fais chier, on y va. Bienvenue à Gotham City, Robin. Et on n'est pas à Gotham City, c'est tout blanc. Non, en fait, on est dans la matrice qui est entre Gotham City et le magnétoscope. Mais dans la matrice qui est entre le magnétoscope et Gotham City qui est tout blanc. Mais t'es débile ou quoi? Je t'ai dit, on est dans la matrice qui est entre Gotham City et le magnétoscope. Chut, Robin, un super-héros ne doit pas pleurer, voyons. Je dois parler à Alfred. Bon, Alfred, est-ce que vous m'entendez? Il me faut des costumes. Un maximum de costumes, monsieur. Non, juste deux, un pour moi et un pour Robin. Putain, Alfred, faites attention! Robin, tu n'arrives toujours pas à mettre tes bottes. Mais c'est dur. Tu fais vraiment chier, toi, des fois. Wow, la Batmobile. Tu t'attendais à quoi, Robin? Au Père Noël, peut-être? Mais pourquoi je n'ai pas, moi, d'abord? Parce que toi, t'as pas encore le permis. Puis toi non plus. Oui, bon, tu fais chier, c'est moi qui commande, c'est moi Batman. Allez hop, c'est parti, on y va, on monte. Mais maintenant, intéressons-nous à la raison du pourquoi. Et oui, pourquoi Batman n'a-t-il pas le permis? Pour cette raison, nous devrons faire un bref retour en arrière. Non, mais un peu plus vite quand même. Un retour en arrière qui nous amènera bien avant cet épisode. Alors que Batman et Robin poursuivaient le monstrueux, le terrifiant, l'incroyable Joker. Hey, regardez cette voiture là-bas, c'est celle du Joker. Oui. Arrêtez-vous! Mon Dieu, il l'a écrasé. Mais regardez là-bas une autre voiture, c'est la Batmobile. Arrêtez-vous! Qu'y a-t-il, monsieur l'agent? Vous rouliez à 150 km/h au-dessus de la limite de vitesse. Que voulez-vous dire à ça? Que ma Batmobile est une voiture très puissante. Faites le rigolo, vos papiers. Mes papiers? Oui, vos papiers. Tenez, j'ai mon passeport. Bruce, en plus, vous avez des faux papiers d'identité. Pardon? Mais oui, c'est le passeport de monsieur Bruce Wayne. Je vous explique. Dans le petit papier aussi. Tenez. Alors, Robin, jeune prodige. Très bien, vous pouvez circuler. Robin, tu les as eu où ces passeports là? C'est Alfred, il me l'a fait. T'en as pas un pour moi?
Si, tiens, merci. Monsieur l'agent, tenez, j'ai mes papiers, voilà. Alors, Batman. Bien. Et que ça ne se reproduise pas. Cependant, je vais vous prendre votre permis. Mais je comprends pas, le Joker, vous l'avez laissé filer, lui, alors qu'il a écrasé un de vos hommes. Et vous avez qu'à m'écraser, allez. Comment ça, j'avais qu'à vous écraser, mais j'allais pas enfreindre les lois non plus. Vous voulez bien 150... ça va, je vous le donne, mon permis, et foutez-moi la paix. Insulte agent, ça vous coûte cher. C'est ainsi que Batman se vit retirer son permis de conduire. Revenons maintenant dans notre épisode. Robin, allume-moi la radio, s'il te plaît. Bon, d'accord. Bonjour et bienvenue sur Gotham Radio. Tout de suite, le nouveau YouTube. Oh, laisse-la, celle-là, Robin, je l'adore. The Batman. Et Robin. Chute. Si Robin, c'est important. Oui, Robin, c'est important. Bon, maintenant qu'on a bien trippé sur la musique, je pense qu'on peut y aller. C'est la dernière fois que je te fais conduire la Batmobile. Passe-moi le volant. Tiens. Mais Robin ! Je t'ai pas demandé d'arracher le volant de la Batmobile ! Je t'ai demandé de me le passer. Attends, je vais t'expliquer. En fait, si tu veux, c'est une image, une expression pour dire que c'est moi qui conduis et plus toi. Ah oui. Bah oui, bah en volant tout neuf en plus, putain. Bah oui, ça va moins bien marcher là. Bah forcément. Bon, on va remettre ça. Et je vais essayer de redémarrer. Bordel! Mais... Batman, on est où? Mais... On est où? Mais... Qu'est-ce qu'il y a? La Batmobile, Robin! Oui, tiens, elle n'est plus dedans. Mais oui, mais elle est où, la Batmobile? C'est pas censé faire pleurer un super-héros. Non, mais je pleure pas. Mais c'est juste que la Batmobile, quoi, c'est ma Batmobile, elle a disparu, c'est mon bien le plus précieux. Bon, après Alfred, bien sûr. Et moi? T'entends ça? D'où vient cette musique? Prudence, Robin. Batman, regarde là-bas. Ouh, yahoo! Mais attends, Robin, il y a des tuyaux partout. Des champignons avec des yeux qui se promènent et des briques qu'on peut casser en sautant dessus. Alors nous sommes dans Super Mario. Je propose de le suivre. Bonne idée, Robin. Batman, regarde là-bas. Oh yahoo. Ah, mais c'est qui nous balance des boules de feu, cet abruti? Il s'est encore enfui. Suivons-le. Putain, j'ai failli mourir noyé, moi. Mais on est où, là? Eh ben, je pense qu'on est dans une sorte de petite ville portuaire. Enfin, on réfléchira à ça après. Allons nous reposer auprès de ce palmier à l'ombre.
Batman, Batman, le pommier, il parle. Non mais Robin, ça va pas bien, t'as fumé quoi là? Putain, mais c'est qu'il a raison, il parle le palmier en plus! Oui, c'est ce que je t'avais dit. Mais regarde, en fait, c'est un marché! Ah ouais, bah tu vois, Robin, c'est ce que je t'avais dit, tu m'écoutes jamais. Mais non, c'est pas ce que t'avais dit. Écoute, si, c'est ce que je t'avais dit, c'est moi Batman, c'est moi qui décide. Bon alors, étant donné que ce sont des autochtones locaux, nous allons nous renseigner auprès d'eux. Viens avec moi. Excusez-moi. Oui, et combien ça coûte, ça? Bon, merci. Non, non, Robin, écoute, ça se fait pas. On doit pas voler, on est des super-héros. Mais si, on vole. Non, non. Oui, nous on vole, mais c'est avec les bas de grappin, c'est pas la même chose. Alors que là, toi, tu es en train de voler un objet, un fruit, en l'occurrence. Et donc, tu dois pas, d'accord? Oui, d'accord, mais on sait pas combien ça coûte et on comprend même pas, puis il dit rien en plus. Mais il dit bien quelque chose, c'est juste qu'on comprend pas, c'est tout. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Regarde, ce petit champignon là qui va faire ses courses, on va le regarder faire, on va faire pareil, d'accord? Oh, tu vois la taille de cette pièce? Ben, ça doit être une monnaie locale. Excusez-moi, monsieur le champignon, vous savez pas où c'est qu'on peut en trouver? Vous êtes pas un peu con? Levez un tout petit peu la tête. Ah ouais! Regarde, notre mage, j'en ai attrapé une. Et maintenant, qu'est-ce t'en fais? Bah, je mets dans ma poche. Oui, comment t'as fait ça? Bah, je sais pas, ça rentre dans la poche. Ok, bon, je crois qu'on va pas chercher à comprendre. Et maintenant, on fait quoi? Ben, je propose d'aller à l'office du tourisme. Regarde, là, il y a un guide touristique automatisé. Mets ta pièce, Robin. Bonjour, veuillez formuler votre question. Ben, comment revenir à Gotham City? Désolé, votre question ne peut être traitée par l'automate. Nous allons vous mettre en ligne avec un responsable. Non! Bon, putain, j'en ai marre, on s'en va. Bowser! Moi, je sais comment vous sortir d'ici. Et je suppose que ce renseignement, vous ne le donnerez pas gratuitement. Exactement. Vous devrez remplir une épreuve. Tenez. Oh non. Et si. Oh non. Si. Non. Et si. Oh non. Et si. Non, mais Robin, je crois qu'on va la faire, sinon on va y passer la nuit. 1, 2, 3, 4 Hey! Hey! Vous avez réussi cette épreuve avec brio. Pour quitter ce monde et retourner où vous voulez aller, vous devez emprunter le tuyau là-haut sur l'église. Bonne chance! Alors, le tuyau là-haut en haut de l'église. J'ai une idée. Mario, viens par là. Robin, arrête d'éclabousser tout le monde avec ce turbobuse et descends sur terre tout de suite. Mais faut qu'on aille sur le toit de l'église. Oui, mais je t'explique. La base de Batman et Robin, c'est qu'on est des super-héros, mais que comme on peut pas voler, on utilise des bas de grappin, d'accord? Donc tu détaches le truc à ta ceinture. Non, tu détaches pas ta ceinture, tu détaches le truc à ta ceinture, le bas de grappin. Hein. Voilà. Ça, tu... Oui, tu le pointes en l'air et tu appuies sur le bouton. Wow. Allez, hop, dans le tuyau. Bon alors, où c'est qu'on est encore? Regarde là-bas le gars qui monte les escaliers. Oh non, pas lui.
Bon alors, où c'est qu'on est arrivé? Regarde Batman là-bas, il y a quelqu'un qui monte les escaliers. Oh non, pas lui. Hey! Non mais on se calme, oui. Hey Batman, Batman, qu'est-ce qu'il fait? Link, ta gueule. Mais comment tu connais mon prénom d'abord? Eh bien, c'est un peu long à expliquer, mais... Ouais, mais toi, tu dois être Ilien, étant donné que t'as des grandes oreilles, mais l'autre, c'est qui? Eh bien, c'est simple, je suis... Non, non, Robin, ta gueule, je vais l'expliquer. Oui, non, en fait, j'ai des grandes oreilles, mais je suis pas un Ilien. Je viens d'une ville lointaine qui s'appelle Gotham City, mais laisse-moi te raconter une histoire à propos de cela. On raconte une histoire, parmi tant d'autres légendes, où une petite ville... nommé Gotham City, était peuplé par des méchants criminels, ainsi que des psychopathes fous furieux qui s'apprêtaient à détruire la ville. Mais Batman, moi et Robin, l'autre, surgirent de la nuit pour terrasser les criminels qui s'apprêtèrent à... Bon allez viens Robin, on s'en va, il s'en fout complet de toute façon. Et merde Robin, on s'est retrouvé paumé en pleine d'Hyrule. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben je propose d'entrer en communication avec Batgirl, t'as son numéro? Oui, attends. Ici Snake, colonel, est-ce que tu me reçois? Non, Barbara, t'as reconnu. Batman, Robin, les méchants. Robin, tu fais chier, arrête de faire chier Batgirl. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, Batgirl, on est paumé dans le jeu vidéo, on aimerait bien savoir ce qu'on pourrait faire pour sortir. Attendez. Tiens, on a un nouveau message du Joker. Ah tiens, c'est tout. Pourquoi ils ont raccroché? Robin, je crois que Batgirl ne sera d'aucune aide. Merde, putain, il pleut, saloperie! Robin, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, putain, désolé! Robin, t'es dégueulasse! Mais on dirait Link là-bas. Ah oui, tiens. Eh hey, oh, Link. Mais attends. Mais il nous fonce dessus, ce con. Tiens, prends cette ocarina. Robin, tu sors celui. Bah... voilà. Bon, passe-moi ça. Alors... Mais Batman, reviens! Putain, je suis crevé! Dis donc, Link, tu sais pas où est-ce qu'on pourrait retrouver Batman? Hein? C'est pas où il pourrait être parti, Batman? Ah! Non, mais tu pourrais demander au vieux sage, il habite la maison là-bas, par devant, moi je vais me reposer. Je suis trop mort! D'accord, merci. Bonjour, oui. Tu en avantes. Viens. Arrêtez-toi, tour de coutin, là. Sur le quoi? Le coutin, là. Le coutin. Mais là, il y a un coutin, là, le truc rouge. Ah, le coussin. Oui, si tu veux. T'es quelque chose. Mais t'es quoi, là? Ah. Ah la voilà. T'as Link, prends cette épée. Mais je suis pas Link. C'est pas grave, t'as fait plaisir. Bah merci. Bandour. Bonjour. Attends, un peu pile à l'heure. Viens t'attendre pour le coutin. De quoi? Plus tard et plus loin, Batman était en train de faire un rêve étrange. Cher papa, je me rappelle de cette nuit il y a bien longtemps, où avec maman, nous étions allés tous les trois voir Zorro. Je me rappelle aussi du méchant monsieur qui nous attendait à la sortie,
et qui avait voulu piquer le collier de perles de maman, même que tu avais voulu la défendre. Arrière ! Arrière, créature ! Vous disiez, mais tu n'as pas pu lui résister. Ensuite, il a tiré sur maman. Mais lorsqu'il a voulu me tuer... Oh merde ! Et alors, il s'est enfui en courant. Et je me suis retrouvé seul. Depuis ce jour, j'ai décidé de combattre les criminels. Je voulais vous venger. Leur faire une peur atroce. Et répandre la justice à travers la ville. Mais ils n'ont pas peur de moi, père. À cause de Robin, ils rigolent. Je dois faire quelque chose, mais comment faire ? Et puis, elle est arrivée. Elle s'est éclatée contre la fenêtre de notre bibliothèque. Car Alfred avait posé du double vitrage. J'en avais terriblement peur avant. Oui, père, je serai chauve-souris. Allez, Bibat ! On est dans un chaudron. Robin, où t'es? Robin, sors de ta cachette, c'est plus drôle maintenant. Pendant ce temps-là, ailleurs, au même moment. Précis. Non, c'est bon là. C'est bon. La 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 la. Mais... C'est déjà suffisamment loin si en plus tu chantes... Bon, tais-toi et marche. Marche, on avance à rien dans la plaine d'Hyrule. Là-bas, il y a le château de Galone. Et on est paumé dans cette putain de forêt. Tais-toi et marche. Mais on est paumé en plus. Ben je pensais que tu t'en étais rendu compte, moi je te suivais. Quoi ? Ben c'est pas de ma faute si t'as de tension aussi, j'y suis pour rien. Bon, donne-moi la carte. La carte ? La carte. La carte ? Bon, c'est lourd là. Oui, la carte. Quelle carte ? La carte, c'est très bien ce que c'est une carte. Ah, tiens, j'ai un as de trèfle. La carte du monde avec... Aïe. Mais j'ai pas de carte du monde, moi. Pas de carte du monde. Bah non. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais je ne sais pas, mais... Mais tu m'énerves, moi je sais déjà faire. Hey, alors que toi tu sais pas faire, alors je vois pas pourquoi je me ferais chier à me trimballer avec des cartes. Bon, allons demander notre chemin dans un grand château là-bas. Dis, tu crois qu'ils ont le téléphone? Pourquoi tu chuchotes? Je sais pas. Pourquoi tu continues de chuchoter alors? Je sais pas. Ah bon, d'accord. Tiens, une porte. Mince, comment faire pour l'ouvrir? J'ai une idée. Ouah, t'as tourné la poignée trop fort, Robin. Ouais. Oh tiens, il y a une autre porte derrière la première. Je sais, Robin, laisse-moi faire. Y a pas de poignée? Il doit falloir résoudre une énigme. Tiens, un papier. Alors, c'est un mec qui rentre dans un café, ça fait plouf. Ah, c'est un papier de caramba. Ah, il y a une devinette en dessous. Alors, j'ai été créé en 1939 par Bob Kane. Qui suis-je? Robin, regarde là-haut, il y a un con dans un écran qui fait des grands gestes. Mais c'est Batman. Ouah, trop fort, Robin. Encore une porte. Les architectes de ce château ont le sens de l'humour. Robin, comment on fait? J'ai une idée. Oui, allô, je suis bloqué dans le donjon de Ganon. Ah,
clé si vous payez le son. Merci, au revoir. J'ai trouvé la clé du boss. Mais, Robin, comment t'as fait pour savoir qu'on était dans le donjon de Ganon? Ben, c'est la musique. Tu reconnais pas la musique? La musique? Ah oui, c'est vrai, t'as pas joué au jeu, toi. Et Batman? Attends, tout le monde. Alors, ça peut... Alors, anglais, italien, espagnol, polonais, mais qu'il y a une pomme dans la bouche. Répète. Robin, enlève-moi cette pomme de la bouche, espèce d'abruti! Ah oui, désolé. Putain, il t'en a fallu du temps, mais qu'est-ce que t'as foutu? Je suis allé chez le vieux sage pour savoir où tu étais. Ouais, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu fais dans le chaudron d'abord? Ça se voit pas, je cuis. Tu cuis? Oui, je cuis. Ganondorf veut me manger, alors il me fait cuire. À côté de moi, c'est la princesse Zelda, j'ai tapé un bout de causette avec elle, mais je commence sérieux à me faire chier là dans ce putain d'univers de jeux vidéo à la con! On ne parle pas avec la nourriture! Ganondorf! Oui, c'est moi. Ma réputation m'aurait-elle précédé? Non, j'ai déjà joué à Zelda. Oh, pas drôle. Libère Batman tout de suite! Non, j'ai pas envie, je veux le manger. Bah, tu vas tâter à mon épée, tiens! Pétard, c'est lourd! Link, prête-moi ta plume. Mais pourquoi je te prêterai ma plume? Tu veux battre Ganondorf? Oui. Alors prête-moi ta plume. Bon, d'accord, tiens. Merci. Mais Didi, c'est moi qui pars avec Zelda après. Oui. Tiens, prends ça. Tu vas pouvoir me battre avec cette épée de... Ah, le con, putain, ça fait mal, en plein dans la jambe. Ah, toi, gueule-moi maintenant, Ganon. Relâche Batman. Non, c'est le mien. Bon, Link, vas-y, à toi. À moi quoi? C'est toi qui dois tuer Ganon. Ah bon? Oui. Mais je peux pas, je suis pas assez fort. Bah, c'est... Je sais! Batman, passe-moi ton masque! Et pourquoi je te passerai mon masque? Mais parce que dans Majora's Mask, je prends le masque et je deviens plus puissant! Tu te fous de ma gueule? Mais non, c'est vrai! Si, tu te fous de ma gueule. Mais non, allez, Batman, passe-moi ton masque! Mais tu vas me reconnaître! Mais non, de toute façon, je te connais pas, je sais même pas où t'habites! Bon, d'accord, tiens. Mais je te reconnais! Ah bon? Mais oui! Tu es Julien Lepers! Julien Lepers? Ah non, pas du tout, non? Pourquoi Julien Lepers? Je sais pas. Ah, je suis le justicier. Le justicier de la nuit. Je suis le Bat-Link. Copieur. Tu vas morfler, Ganon. Et... Et ya Ouais, j'ai battu Ganondorf et je me barre avec Zelda. Salut les mecs! Link, t'oublieras pas de me rendre mon masque par hasard? Ah oui, tiens, excuse-moi. Merci, salut! Tiens, allons derrière cette porte. Ok, c'est parti. Tiens, j'ai l'impression qu'on est plus dans Zelda. Ça ressemble pas du tout à Hyrule tout ça. Y'a des petites bébêtes qui volent. Et putain, je me demande où c'est qu'on a atterri. Oh non! Mais qu'est-ce qu'il y a, Batman? On est dans Metroid, Robin! Non, je peux pas, je veux pas aller dans Metroid! Non, c'est inconvenable! Non, je m'en fous, je retourne dans Zelda! Je retourne dans Zelda, c'est parti! Batman, attends-moi! C'est bizarre, Robin, on dirait qu'on est plus dans Hyrule. Merde, attention! Batman, pourquoi t'es tout lent? C'est qui le monsieur là-bas qui est tout lent aussi, qui nous tire dessus? Monsieur, vous êtes tout lent, monsieur.
haut des balles au ralenti. Ah, oh, mais c'est Max Payne, le mec. Mais Batman, qu'est-ce que tu fous par terre? Mais on se moque pas, Robin. Puis comment ça se fait que t'étais pas au ralenti, toi? Bah, je sais pas. Je me retrouvais face à deux guignols. L'un était étalé par terre avec des allures de chauve-souris et l'autre avait une tête de con. Hey. Ils prétendaient tous deux être des héros de comics et... Batman, et qu'est-ce que t'as fait? Ça se voit pas, j'ai frappé Max Payne. Mais pourquoi? Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a deux minutes, il était en train de nous tirer dessus. Ah bon? Bon, je vais t'expliquer. On est des super-héros, t'es d'accord avec moi? Oui. Le boulot des super-héros, en quoi ça consiste? Tous les méchants. Et les méchants, ils ont des allures de quoi, en général? Des types louches. Effectivement. Quand tu vois un type louche, qu'est-ce que tu dois faire? Bah, d'habitude. Ben voilà, on progresse. T'as compris maintenant pourquoi j'ai tapé Max Payne? Oui. Robin, trouve-moi un taxi. Et pourquoi un taxi? Bah parce qu'on n'a plus la Batmobile. Allons sur ce temps, on aura une meilleure vue. Aïe, mon pied! Robin, il faut le prendre dans l'autre sens, le bat de grappin. Robin, regarde là-bas, en bas, il y a un taxi. Allez, hop, on y va. On saute? Oui, on saute, allez, fais-moi pas chier. Bandour! M'appelez-vous sur le coutin? Sur le coutin? Non, cherche pas à comprendre, assieds-toi. Bon, d'accord. Bonjour, jeune demoiselle. Oui. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais encore. Robin, t'as pas ton traducteur, là, je comprends pas. Ah oui, ça boum, j'ai compris, ça boum. Mais encore. Badaboum. Oui, badaboum, oui, on s'est sacrément bien cassé la gueule. Big. Badabig boom. Oui, big badaboum. Bon, c'est plus drôle maintenant. Et vous êtes qui? Lilou Dallas Multipass. Lilou Dallas Multipass. Batman, pourquoi dis-tu toute nulle la dame? Oui, bon, t'arrêtes de penser à ça, s'il te plaît. Bah, t'es nul, t'es mudique. Et vous allez où? À Gotham City. D'accord, en attendant, demain la radio. Oui, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle émission de la Minute du Gothamien. Tout de suite, Thierry Michel Henry qui nous interprète Imagine All the People. Je vous remercie de m'avoir accueilli à votre émission. Donc, bah c'est parti, je vais m'échauffer la voix. Ba-bi-bo-bu. Imagine All the People. Oui, bravo, bravo. On l'applaudit bien fort. Ouais. Voilà, maintenant notre prochain candidat, Johnny, qui nous interprète Danny Briand. Adieu, merci de m'avoir accueilli à votre émission. Alors, c'est parti, je vais vous faire le plaisir d'entendre ma magnifique voix. 1, 2, 3, 4, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. J'ai perdu la raison à chaque fois que je vois Susan. Yeah! Oui, bravo. On l'appelle bien fort aussi. Ouais. Bienvenue à Gotham City, Robin. Mais on n'est pas Gotham City, c'est... Non, c'est pas tout blanc. Mais non, c'est tout détruit partout. Ah ouais, merde. Mais reviens. Batman, on est où? Biohazard. Dis Batman, c'est quoi? Biohazard. C'est le nom de Resident Evil en Jap. Ah bon, pour dire Resident Evil en japonais, on dit... Biohazard. Robin, ta gueule. On est où? Je crois que ce compte chauffeur, au lieu de nous emmener à Gotham City, nous a emmené à Raccoon City. C'était quoi ça? Je crois que c'était des zombies, Robin. Des zombies? Oui, mais je crois sincèrement qu'on peut tomber sur pire que des zombies. Et ça, c'était quoi? C'était un T-Rex, Robin. Un T-Rex? Oui, mais je crois qu'on peut tomber sur pire que des T-Rex. On est
C'était quoi? C'était plus belle la vie, Robin. Et il peut y avoir pire? Non, je crois pas. Ah bah si, en fait. Et on fait quoi maintenant? On court. Vite, Robin, là, il y a une salle de sauvegarde. Faut qu'on se dépêche de rentrer dedans. Batman, c'était quoi? C'était le Némésis, un monstre terrifiant qui mesure plus de 2 mètres de haut, qui a la peau toute cramée, qui est parfois même armé d'un lance-roquette. Il a des tentacules, cela lui permet de transmettre le virus. Et il ne sait dire qu'un seul mot, Stars. Le pire, c'est qu'il ne se déplace même pas grâce à sa vue ou à son ouïe. Il utilise son odorat. Bon, comment est-ce qu'on pourrait sortir de là? Oui, bonjour, monsieur. Je vois vraiment pas. Je me l'ai bouffé la jambe. Mais Robin, j'ai pas fini de chanter, moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde que tu regardes à la télé? Si, c'est bon, je m'en vais. Bah, c'est la Stars Academy. Stars. Mais Robin, d'où tu sors cette tarte à la crème? C'est Alfred, il m'a appris à en faire. Mais pourquoi tu fous une tarte à la crème dans la gueule au Némésis? Bah, comme ça, il sent plus rien vu qu'il en a plein le nez. Pas con. Bon, allez, on se casse. Fais attention, Robin. Cette musique. En général, quand elle arrive dans le jeu, c'est qu'il y a quelque chose de très dangereux qui va arriver. Merde, Robin, c'est Hunter! Encore une tarte à la crème? Mais Robin, t'en as combien? Ok, bon. Viens, on va aller là-dedans. Avec un peu de chance, il n'y aura plus de monstres. Robin, retentons une communication avec Badger. Allô? Allô, Barbara? Tiens, t'as changé de voix? T'as mué? Oh, ta gueule. Batman? Quoi? Elle a raccroché. Ah, c'est pas malin, ça. T'es vraiment un pas doué. Hein. Bon, allez, passe-moi ce portable. Non, je décrocherai pas. Oh, une machine à écrire. Mais Robin, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas de sauvegarde. Nye. Vite, Robin, fuyons! Bah, où ça? Sous les cartons! Tu crois qu'elle est partie? Je sais pas. C'est tout ce qu'il faut emporter? Chut! Oui. Bon, pour l'entrepôt, j'y vais. Batman, c'est si on arrive bientôt, je suis un peu serré là. Un peu serré, mais t'as vu la taille de ces cartons? On se croirait dans mon salon là, c'est énorme. Ah mais y a quelque chose là en fait. Y a quelque chose, comment ça y a quelque chose? Bah ouais, ça fait du bruit, puis y a des chiffres qui... en rouge. Ça fait 3, 2... Robin, 1. C'est un... Coucou Suisse, afficheur digital. Bon allez, aide-moi à décharger les cartons. Chef, il manque 2 cartons. Ils ont dû s'enfuir les salauds. C'est dommage, j'avais le cadeau d'anniversaire du patron. Qu'est-ce que c'était? Un coucou suisse à Putain. Oh les cons. Aïe. Hmm?
Freeze. Hein, Mr. Freeze, où ça? Où ça? Je crois qu'il parlait pas de Mr. Freeze, mais faut qu'on lève les mains. Robin, pendant que je vais faire diversion, tu... Mais pourquoi tu me fous un carton sur la tête? Bah, ça fait une diversion, regarde. Petit salaud, vous m'avez bien eu. Attendez que je trouve l'interrupteur. It's an enemy. I need help. Putain, ils sont où les cons? Attendez que je retrouve mes lunettes de vision nocturne. Les cachés où le pianiste? Robin, ça s'appelle une musique d'ambiance. Tu crois qu'il est derrière la vitre? Oui. Non, rien. D'accord. Oh bah merde alors! Si j'avais su que Robin avait raison, je ferais plus jamais de striptease devant les miroirs au manoir, moi. Tu fais des striptease devant les miroirs du manoir. Hein? Mais non, j'ai pas dit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Prudence, Robin. Cette musique me paraît très louche. Mais on est où là? C'est vide. Oui, je pensais qu'il y aurait une sortie, mais c'est juste un bureau. Bon. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ce Pins? On m'appelle Psycho Mantis. Mantis? Non, Mantis. Non! Mais non, j'ai dit Mantis. Mais j'ai rien dit. Oui, mais tu le penses très fort. Je vais te montrer mes pouvoirs. Pose ton arme sur le sol. Mais je suis pas armé. Il est pas armé. Mais je m'en fous, pose quelque chose, j'en sais rien, n'importe quoi. Un batarang, ça fera l'affaire. Je m'en fous, allez, dépêche-toi. Voilà, je le pose comme ça, maintenant je fais quoi? Mets-le bien à plat. Oui, voilà, c'est fait. Maintenant, je vais faire bouger ton truc bidule par ma simple force mentale. Regarde bien. J'ai dit, pourquoi ça marche pas? Il y a des ondes négatives dans cette salle. Mais c'est parce que vous avez pas dit, Jacques a dit. Ta gueule! Bon alors, ça c'est fait, ça marche pas. Je vais vous montrer un autre de mes pouvoirs. Je suis le plus grand spécialiste de la télépathie du monde. Je vais commencer par lire dans l'esprit de Robin. C'est bizarre. Je ne vois rien. Putain, il est fort, le coup. Ce petit m'étonnera toujours. Bon, c'est pas grave. Je vais passer à toi, Batman. Man. Quoi, Man? Ça se prononce Man. Batman. Je le savais. Hein? Je sais lire. C'est moi le télépathe ici, s'il te plaît. Bon, très bien. Je vois... beaucoup d'argent... un avenir brillant, une grande maison, une belle... Non, mais ça, j'ai déjà tout, c'est bon, je sais ce que c'est, merci. Pardon, je m'égare. Je vois de la pâtisserie, tu penses à une tarte à la crème. Ah, c'est inutile. Mon masque me protège. Tu vas payer pour ton crime, je vais contrôler ton esprit. Regarde-moi. Répète après moi, mes paupières sont lourdes. Ah bon? Mais non, je te demande de répéter. Répète après moi, mes paupières sont lourdes. Tes paupières sont lourdes? Mais non, pas les miennes, les tiennes. Alors pourquoi tu dis mais? Mais c'est parce que je te demande de répéter exactement ce que je dis. Répète après moi, mes paupières sont lourdes. Bon d'accord, mes paupières sont lourdes. Très bien, j'ai envie de dormir. Ben va te coucher. Mais non! C'est pas moi qui ai envie de dormir, c'est toi. Tu dois répéter ce que je dis, tu dois dire j'ai envie de dormir. Mais j'ai pas envie de dormir. Mais bon Dieu, je te demande pas ton avis. Tu dois répéter ce que je dis, car je suis en train de t'hypnotiser. Alors, allons-y. Mes paupières sont lourdes. Et alors? Il faut dire mes paupières sont lourdes, bordel! Mes paupières sont lourdes, bordel? Mais putain, tu le fais exprès ou quoi? Nous allons recommencer. Mes paupières sont lourdes. Je suis fatigué. Je vais m'endormir. Ben voilà, il avait bien envie de dormir. Bon, il faut trouver la sortie maintenant. Batman. Batman, réveille-toi. Hein? Oui, excuse-moi, Robin. Ouh. Bon, aide-moi à chercher des indices pour trouver la sortie. Alors...
Dis, psychomantis, comment on sort ? La bibliothèque, Sésame. Bibliothèque, Sésame. Je sais ! Sésame, ouvre-toi ! Bijoule, c'est Sésame ! Alors c'est toi, le connard qui gardait la bibliothèque, hein ? Mais non, moi j'ai pas d'argent. Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Moi je dois nourrir les chameaux, je dois nourrir les enfants. Oh non, mais fais-moi pas chier, allez, casse-toi. Je crois que l'endroit est miné. Sans deck. Je suis presque sûr. Bon, Robin, tu sais ce qu'on va faire ? Tu vas passer devant, et moi je te suis, hein ? C'est bon, tu peux venir. Ok, j'arrive. Aïe, j'ai mal. J'ai pas compris. Robin, attention, y a un pointeur laser qui se balade sur ta tête. Je crois qu'on essaye de te... Oh, une pièce. Regarde, Batman, une pièce. Robin, on vient d'essayer de te tuer. C'est Snipe Wolf. Cette femme est capable de rester des semaines sans bouger pour avoir sa cible. J'ai une idée. Prends ça, grognasse. Hein ? Je crois que tu ne l'auras pas avec des batarangs. Prends ça. Robin ? Oui. D'où tu sors ce bazooka ? Je commence pas à faire chier. Hop ! C'est ma réplique. Passe-moi ça. Robin, reste bien derrière, ça pourrait être dangereux. Haha, Robin, je l'ai eu. Aïe. Je crois que je me suis pris un tour de flamme. C'est pas malin, ça. Bon, on va essayer de rentrer dans la tour, voir où ça nous mène. Bienvenue à Gotham City, Robin. Mais non, on n'est pas... Qu'est-ce que t'as à dire encore ? C'est pas tout blanc, c'est pas détruit. C'est bien Gotham City, non ? Ouais, mais c'est en 2D et tout pixel. Et merde. Alors c'est toi qui nous a mis dans ce pétrin, espèce de psychopathe. Oh, merci Batman, t'es trop gentil. Il s'agit tellement que j'ai créé une machine pour reprojeter dans le passé de Gotham City, toi et ton abruti de piaf débile. C'est vrai ? Non, je déconne ! J'ai en réalité modifié l'adresse IP du magnétoscope de Robin pour vous envoyer dans l'univers des pires jeux vidéo qui étaient créés. Et ça a pas d'adresse IP, un magnétoscope ? Tu vois, ça va mieux quand tu parles pas. Et maintenant, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, je vais vous envoyer dans le pire des jeux vidéo. Non. Dis Batman, pourquoi les méchants psychopathes, ils disent toujours leur plan diabolique avant de fuir lâchement ? Parce que j'ai une gueule de scénariste. Non, je suis une gueule de con. Pardon ? Non, rien. Bon alors, comment sortir d'ici ? Là-bas, il y a une porte avec Exit marqué dessus. Que ce Joker est stupide. C'était un piège. Sans blague ! Là-bas, il y a une porte avec marqué Entrée dessus. Connaissant la logique du Joker, c'est une possibilité envisageable. Encore un piège. Non, c'est bon, ça va, on a compris. Bon, ben, on a qu'à tenter la porte des chiottes. Dis Batman, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Quoi donc ? On était dans une rue, on ouvre une porte, on se retrouve dans une autre rue. Robin, tu te poses trop de questions. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'en sais rien, moi, t'as qu'à demander au premier Pékin venu où c'est que c'est Gotham City. Excusez-moi, Gotham City, c'est par où ? La troisième porte à droite. Merci. Oh, long couloir blanc avec plein de portes. Il a dû nous prendre pour des fous et nous envoyer à l'asile. Bon, eh bien, on n'a qu'à toutes les essayer. Et si on essayait directement la dernière ? Puis
pavillon. Non, n'allez pas dans les Hautes-Herbes. Quoi? Vous avez pas vu le panneau? Pelouse interdite. On est poursuivi par un T-Rex. Non, ça c'est mon chien. Oh, pardon. Rex, couché. Bon, sortons d'ici, c'est pas sérieux. Ah, je t'attendais. Viens, monte, monte. Voici l'énigme. Alors, qu'il soit noir, gris ou bien blanc, il n'y en a pas deux semblables. Il suit le souffle du vent et reste pour nous impalpable. Qui est-il? Je sais pas, un Vélux? Espèce de con, va! J'en ai marre de voir des candidats tous plus cons les uns que les autres, là! Tiens, puis tu le vois ton indice, tu le tiens, hop, dans l'eau, puis tiens, le candidat, viens voir, mon petit, viens près de la fenêtre, allez, hop, dans l'eau aussi! Et regardez-moi ce testi de tant de merde, là, ils auraient pas pu me foutre autre chose qu'un... Putain, merde, pourquoi c'est bipé, là? Parce qu'il y a sûrement des nains qui nous écoutent. Ah, d'accord. Bon, ben, c'est quand qu'on peut remettre l'épisode? On attend qu'il est fini. D'accord. Putain, il a du souffle, vieux. Mon Dieu, il a fait une attaque cardiaque, appelez une ambulance! Bon, sortons, ça dégénère. Louis, tu fais chier. Bon alors, René. Putain, merde, elle est où la touche? T'es pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le vif sonore. Dis alors. Merde, Batman, il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse un message? Robin, on le connaît même pas. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Anderson, heureux de vous voir. Vous nous avez manqué. Mais non, lui, il s'appelle Bruce Wayne. Robin, tais-toi! Batman, on fait quoi maintenant? Et attends, Robin, nous sommes d'Hunters The Matrix. Mais alors avec les bugs? Précisément, Robin! Courons à travers les murs pour fuir. Batman, t'es sûr de toi? Aïe! Ah, le Joker a dû créer un patch pour supprimer ce bug. Alors pourquoi il a pas diffusé sur Internet? Parce que le Joker est diabolique, Robin. Oui, bon, chut, tu fais chier, c'est moi qui commande, c'est moi Batman. Ouah, wow, Batman, on est revenu dans un épisode précédent. Mais non, voyons, Robin, je suis pas comme ça avec toi. Brandour! Depuis la lorne. De vous en aller voir l'oracle. Mais avant tout, je dois m'excuser. Pourquoi donc? Pour ta vie. Mais ça va pas, espèce de con! Tu voulais être sûr? Sûr de quoi? Que vous étiez Batman? Ah, il aurait fallu me le demander. Y'a que Batman qui réagirait de cette manière. Quel con. Bien, de m'emmène voir l'oracle. Barbara? Mais qu'est-ce que tu fous dans ce fauteuil roulant? Moi je sais! C'est le Joker qui l'a tué dans les jambes et depuis elle est paralysée à vie! Non, c'était juste pour me reposer. Et moi je vais vous emmener voir Alfred. Alfred, maître Bruce, que faisiez-vous dans le placard à pharmacie de la salle de bain? C'est ainsi que se termine cette première saison des aventures de Batman et Robin. Dans le rôle de Guy Lepers, Batman. Dans le rôle du candidat de question pour un champion, Robin. Dans le rôle de la voix de question pour un champion, Batman. Dans le rôle de Batman, Batman. Dans le rôle de Robin, Robin. Dans le rôle d'Alfred, Batman. Dans le rôle de la voix, Batman. Dans le rôle du policier, Batman. Dans le rôle du policier de Robin. Dans le rôle du présentateur de Gotham Radio, Robin. Dans le rôle de Mario, Batman. Dans le rôle du pianiste, Robin. Dans le rôle du Toad, Robin. Dans le rôle de l'office du tourisme automatique, Robin. Dans le rôle de Bowser, Batman. Dans le rôle de Link, Batman. Dans le rôle de Batgirl, alias Barbara Gordon, Robin. Batgirl, Suyu. Dans le rôle du vieux sage, Robin. Dans le rôle de Ganondorf, Batman. Dans le rôle de Max Payne, Robin. Dans le rôle du présentateur de la minute du Gothamien, Robin. Dans le rôle du candidat de la minute du Gothamien, Batman. Dans le rôle de l'autre candidat de la minute du Gothamien, Batman. Dans le rôle du Nemesis Batman, dans le rôle de Nico Saligas Robin, dans le rôle du garde de Metal Gear Solid Batman, dans le rôle de l'autre garde de Metal Gear Solid Robin, dans le rôle de Snake Batman, dans le rôle du pianiste Robin, dans le rôle de Psychomantis Batman, dans le rôle de Sésame Batman, dans le rôle du Joker Joker, dans le rôle du Pékin Robin, dans le rôle du Tic Tic Gun dans Jurassic Park Batman, dans le rôle du Perforat Batman, dans le rôle du candidat Robin, dans le rôle du Nerd Batman, dans le rôle de René Batman, et pour finir dans le rôle de la dame de France Telecom Robin. Il a allumé le micro là. Marche, 1, 2, 1, 2. Ami Gothamien, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, les grenouilles avaient des cravates vertes à pois marron. Mais je m'égare, ce n'est pas la question.
revenons au sujet. Je vous ai compris. Ce nouveau WC public remplaçant le parc à l'abandon sort. Oh mon dieu! On attaque le maire! Pendant ce temps-là, au manoir Wayne. Batman! Oh Robin, tu vois pas que je regarde la télé? Mais le. C'est important. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Le bat-signal. Quoi, le bat-signal? Le bat-signal, il est dans le ciel. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre du bat-signal? Batman, le bat-signal. Oh merde, le bat-signal! Robin, let's go to the Batmobile! Quoi? Non. On va à la Batmobile, Robin. Ah, d'accord. Les experts à Gotham City. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu un attentat. Et il y a des dégâts? Oui, on a eu 3 morts et 5 blessés. Et l'attentat, c'était quoi? Une attaque à la bombe? Un suicide? Non, c'était un pot de fleurs. Un pot de fleurs. Oui, un pot de fleurs. Vous avez eu 3 morts et 5 blessés avec un pot de fleurs. En fait, c'est les gardes du corps du maire, ils se sont un peu emballés, ils ont perdu leur sang-froid, ils ont tiré dans la foule. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Bah, on a pot de fleurs. Bien, on va faire analyser ça. Plus tard, au commissariat de Gotham City. Commissaire. Ah! Mais qu'est-ce que vous foutez de mon bureau? Ben, vous m'avez appelé avec le bat-signal. Oh merde, le con, je l'avais laissé allumé. Oh putain. Ben attendez, pendant que vous êtes là, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous êtes venu seul? Ah! Oui. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? On a un attentat au pot de fleurs. Un attentat au pot de fleurs? Oui, sur le maire. D'accord. Et vous avez une piste? Eh bien, en fait, nous avons fait analyser le pot de fleurs et nous avons trouvé un cheveu. Devinez à qui il appartenait. Je sais pas, moi, le Joker, le mystère, double face. Non, le maire lui-même. Nous avons tout de suite pensé que c'était le maire qui s'était envoyé le pot de fleurs lui-même sur la tête. Mais on a un problème. Lequel? Il a un alibi en béton. Au moment où le pot de fleurs est tombé sur sa tête, il était en train de faire un discours pour l'inauguration du plus grand complexe de WC public à Gotham City. Et vous vous êtes pas dit simplement que si le maire s'était pris le pot de fleurs sur la tête, il était normal de trouver un cheveu sur ce dernier lui appartenant? Ah oui, je n'y avais pas pensé, je vais les appeler tout de suite. Vous êtes vraiment le plus grand détective du monde, Batman. Oui, entrez. Bonjour. Ah, bonjour, Robin. T'en as mis du temps, Robin. Mais c'est le bas de grappin, j'ai eu un problème. Je t'ai déjà dit qu'il fallait le prendre dans l'autre sens, le bas de grappin. Ah oui... Et c'est tout ce qu'il y avait sur le pot de fleurs? Non, nous avons aussi trouvé un message mystérieux, tenez. Alors, les feuilles triées sur le polystyrène logarithmique pyramidal, paix de lapin et les autres à l'ouest, quadriphonique, pâte d'amande, migratoire, encéphale, octobre-novembre, vert fluo, Pékin vaut mieux que deux tu l'auras. Mais ça ne veut rien dire. Je vous avais dit que c'était assez mystérieux. Tous nos experts sont dessus et ils n'arrivent pas à le décrypter. Mais attendez, Gordon. Regardez. Si vous tracez une droite, comme ça. Vous voyez, cela donne les tripolopipèdes et les quadripates migrent en octobre vers Pékin. Félicitations, Batman. Vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation. Mais cependant, ça ne veut toujours rien dire. D'ailleurs, si nous traçons la ligne un peu plus loin... Non, chut, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui décide, c'est moi Batman, c'est moi qui ai raison. Mais cette histoire de tripolopipèdes et les quadripates, ça me dit quelque chose, j'en ai entendu à la télé. Tu sais quelque chose, Robin? Oui, en fait, c'était sur une émission sur une île Pokémon. Alors tout c'est clair! Je le savais. Bon, c'est tout ce que vous aviez à nous dire, Gordon? Oui. Bon, eh bien, Robin, rentre au manoir. Ah, la Batcave, je veux dire, rentrons à la Batcave, Robin. Regardez, Gordon, dans le couloir, une diversion! Hein? Une diversion? Où ça? Il faut Robin dans le bon sens. Merde, ils font chier, ils auraient pu les ouvrir quand même. De retour au manoir. Alfred, vous avez enregistré l'épisode d'aujourd'hui? Oui, monsieur, il se trouve sur le disque dur de votre super lecteur Shenifi DVD Kill Lady Vix. Vite, Robin, mets en marche le super lecteur Shenifi DVD Vix. Au même moment, dans un endroit plus éloigné. Allô? Bonjour, oui, allô, je suis où là? Ah, chez moi, pourquoi? Allez, baisse le son de la télévision! Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? De quoi? De quoi? De quoi?
Non, je devais marcher. Bien sûr que j'ai compris. Et tu l'as loupé. Tu l'as loupé. Mais comment c'est possible? T'aurais pu y mettre une bombe dans ce foutu pot de fleurs. Je sais pas, faire quelque chose ou mettre un sourire dessus pour faire croire que c'était moi. Mais en fait, non, c'est pas moi. Enfin, non. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Attends. Je sais pas, on peut prévoir une petite fête. Manger des cookies, ou se regarder un film. Arlette, j'ai dit le son de la télévision. Désolé, je suis un peu stressé, il me faut mon café quotidien. Oui, non. Tais-toi. Bon, j'aurais... Non. Toi, je deviens. Je veux plus dans mon plan. Tu restes à l'écart. Je sais pas, tu fais des signes en fond à la caméra, tu fais ce que tu veux, mais tu agis plus. Laisse-moi faire maintenant, ça va être mon tour. À suivre. Wouah, y'a du suspense. Alors comme ça, je fais plus partie du plan, hein. Tu vas voir, Joker. Tu vas apprendre qu'on me vire pas aussi facilement. Pendant ce temps-là, dans un restaurant chic de Gotham City... Tout de même, Robin, je suis très intrigué par ce qui s'est passé lors de l'inauguration des plus grands complexes de WC publics de Gotham City. Pourquoi le maire s'est-il pris un pot de fleurs sur la tête? Quel est ton avis sur la question? Qu'est-ce que tu dis? Je parle pas la bouche pleine. Tu quoi? Je parle pas la bouche pleine. D'accord. Batman, regarde. Le bat-signal. Oh, écoute, Robin, je mange. Mais le bat-signal? Non, mais la dernière fois, c'était aussi le bat-signal et Gordon l'avait laissé allumer. Ça sera sûrement encore le cas cette fois-ci, on va se ramener, il y aura rien pour nous. Alors c'est pas la peine qu'on s'emmerde. Qu'est-ce que c'est encore? Mon portable. Bon. Allô? Ah, Batman, enfin, qu'est-ce que vous foutez? Gordon, comment vous avez vu ce numéro? Il y a un derrière le bat-signal, c'était marqué en cas de dysfonctionnement, veuillez appeler le 06. Oui, non, c'est bon, Gordon. Bon, quel est le problème? Ça fait une heure que le bat-signal est allumé, vous venez oui ou non? Oui, bien sûr, on arrive tout de suite. Tu vois, Robin, je t'avais dit qu'il y a le bat-signal. Allez, on se dépêche, enfile ton manteau. Attends, j'ai pas fini mon dessert. On s'en fout, dépêche-toi. Ah, vous voilà enfin. Que se passe-t-il? Voyez par vous-même. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce qui se passe? Pousse-toi, je vois rien. Calme-toi, Robin, monte sur mes épaules. Non, c'est assez grand. Ah ouais, quand même. Comment un tel bordel a-t-il pu arriver en moins d'un jour? Et c'est qui, c'est aussi qui joue la trompette sur son cheval? On dirait le Joker. C'est bien pour ça qu'on vous a appelé. Ah, tu vois bien qu'il avait pas oublié de l'éteindre. Ouais, je savais. Vous croyez que c'est un rapport avec l'attentat du maire, Gordon? Mais qui c'est celui-là? Je crois qu'il se fout de ta gueule. Comment ça, il se fout de ma gueule? Il en veut une? Mais non, Batman. Calmez-vous, monsieur, voyons. Si, je crois qu'il en veut une. Je vais en mettre une, ça va le calmer, moi. Et ça le fait rire, cet abruti. Aïe, c'est quoi ce truc? Un avion en papier. Vous allez tous mourir. Ah ah ah, ce n'est que le début. Signé P.I. P.I. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Petit impudent? Pauvre imbécile. Puissance invincible? Poil incarné. Produit illicite? Paillasson invertébré. Porte invisible? Patate hilarante. Il y a un H hilarante. Ah oui, c'est vrai. Ou alors Pi pour 314? Oui, Pi, 314, 159, 165, 365, 969. Oui, Robin, c'est bien, tu connais bien le décimal de Pi. Robin, calme-toi. Robin, respire un peu, calme-toi. Robin! Oui, c'est pourquoi? Tais-toi. D'accord. Bon, on en était à Pi. Pi, c'est également un demi-tour sur le cercle trigonométrique. Observons l'effet du baquet sur notre organisme. Ok, c'est une source de folie par votre corps. Robin,
c'est sûrement un indice. Pi étant le demi-tour d'un cercle. Nous allons aller en ville. Au lieu d'aller faire un tour en ville, nous n'allons faire qu'un demi-tour, nous allons nous arrêter à la moitié. Je te propose d'aller à la FNAC, à mi-chemin, nous nous arrêterons. On verra bien ce qui se passera. Si tu veux, hein, si ça te va. Gordon, regardez, là-bas en bas, dans la rue, le Joker avec une trompette. Hein? Oui, non mais ça, on était au coup. Man, Robin, putain, ils sont encore partis sans dire au revoir, les salauds. Plus tard, à mi-chemin entre le commissariat et la FNAC de Gotham City. Ah, tu vois Robin, quelqu'un cambriole le botanique de Gotham City, je te l'avais dit. Entrons à l'intérieur. Ah ah, pays, je suppose. Ouais, Batman et Robin, comment avez-vous retrouvé? C'est simple. Je vais laisser un indice beaucoup trop simple pour nos grands esprits déductifs. Ouais, mais j'ai toujours pas compris ce que t'as raconté, hein. Robin, et toi? Ah ah, Batman et Robin, vous m'avez retrouvé, mais vous ne m'attraperez jamais. Joker, espèce de violette de Riminus. Oh, Batman, Robin et Batgirl. Oh, Batgirl, salut. Je vais te sauter dessus, toi, tu vois. C'est pas Batgirl, c'est Poison Ivy. Ah, Poison Ivy, tiens, la connaissais pas celle-là. Qui dit Poison Ivy? Poison Ivy, c'est celle que t'as employée pour envoyer un coup de peur sur la tête du maire. Ah oui, t'as envoyé qui t'a pour lancer un coup de peur sur la tête du maire? Ah, peut-être, oui. Eh, je l'avais viré, tout est fini. C'est pour ça qu'il a énervé contre moi. T'es qui, toi? Moi, je suis le narrateur. Le narrateur dans Batman. Bah oui, c'est moi qui fais les transitions, qui mets toute l'histoire. Robin, depuis quand il y a un narrateur dans Batman? Joker, tu m'as humilié, tu m'as énervé, tu vas le payer de ta vie! De toute façon, énervé ou pas, je suis sans supériorité numérique! Regarde tout ce petit monde derrière moi, ce petit pop-up que j'ai gentiment empoisonné avec mon gaz hilarant! Ah, c'est pour ça! Je savais! Dis tous, tout le monde, écoutez-moi! À l'attaque! Bon, vous allez ou vous faites ma gueule? Vous faites ma gueule! Ah ah, mais maintenant que t'as tué tes hommes de main, j'ai du mal à discerner la supériorité numérique. Oh, Poison Ivy, je sais que tu es énervé, mais tu es une pacifiste, tu vas me taper quand même. Je vais me gêner, tiens. Mon chapeau. Ma trompette. Mon cheval. Dis-moi, si je tape ton cheval, toi tu ferais quoi, hein? D'accord, tu n'as pas de cheval. Pas de trompette, pas de chapeau. Mal barré. Bon allez, fini de rigoler, tu vas goûter à ma pelle maintenant. Fais attention, t'es pas très digeste. Sacrebleu, ils vont s'entretuer. Robin, il faut faire quelque chose. Faisons d'une pierre deux coups, attrapons-les avec ça. Robin, d'où tu sors ce filet de pêche? Bah, en fait, je vais partir à la pêche avec Alfred et puis... D'accord, bon. On le prend chacun de son côté et on le lance à trois. À la une, à la deux... Batman, comment on fait pour lancer à trois? C'est trop loin de Gotham City. On le lance sur le Joker et Poison Ivy, Robin. D'accord. Nous sommes pris au piège. Ça va bientôt finir avec ta trompette. Plus tard, lorsque la police est sur les lieux... Félicitations, Batman. Vous avez réussi à attraper deux grands criminels. Oui, faites particulièrement attention à l'herboriste, là. La fleuriste, là. Elle doit avoir un comportement très étrange. On l'a prise en train de cambrioler un botanique. Je pense que ça connote une certaine folie. Enfin, emmenez-la à Arkham. Allez, viens, Robin, on rentre à la maison. Attention, Gordon, derrière vous, le Joker s'échappe! Hein? Où ça? Oh, foiré, encore. Au manoir Wayne. Robin, viens voir, il faut que je te parle. Quoi? Écoute, regarde-toi dans la glace. Tu remarques pas quelque chose de choquant? Non. Tu as les cheveux longs, tu as la barbe, tu es trop grand pour ton costume. Le personnage de Robin est obsolète, tu vois ce qui... C'est passé de mode, ça marche plus maintenant. Mais non. Tu vois bien, ton costume est trop petit. Quand tu t'assois, il craque, ça fait des trous. Mais Les jeans déchirés, c'est passé de mode, Robin, je suis désolé. Mais non, mon costume n'est pas trop petit. Et puis, j'aime bien les cheveux, j'aime bien la barbe. Alfred. Il est trop petit, son costume. Il est trop petit, son costume. Oui, le maître dit, votre costume est trop petit. Bon, bah je me casse si c'est comme ça. Robin, reviens ici tout de suite. Oh, le salaud, il m'a chouré une moto.